Salut à tous, c'est Kirby54, bienvenue pour ce premier épisode de ma collection de jeux vidéo imaginaires. Pour ce premier épisode, je vais vous présenter mes jeux 360 imaginaires. Des jeux que vous ne pourrez jamais voir dans le commerce, des jeux que vous ne pourrez jamais jouer. Donc je fais cette vidéo pour vous dire mon avis sur ces jeux. J'y ai pu jouer, je ne sais pas comment, peut-être pendant que j'étais au lit en rêvant. Donc c'est parti. Alors mon premier jeu imaginaire, c'est Elle est Noire, comme le dit la jaquette, Elle est Noire. Non, ça n'a rien à voir avec le jeu de Rockstar. Ce jeu, c'est vous contrôlez une femme complètement moche, et vous, c'est un peu un sim, il faut essayer de draguer des gens super, des BG comme on le dit. Ce jeu, pff, ouais, vite fait. Deuxième jeu, Trollface, le jeu officiel, comme le dit la jaquette, problème. Troisième jeu, bon, qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Je peux dire que c'est une compilation de blagues trouvées sur le web. Ils ont fait une jaquette, ils sont un peu, c'est un peu les enculés d'avoir fait ça, puisque c'est une grosse arnaque. Troisième jeu, Le Con de la Vie, le jeu. Oh, ça c'est tiré du film Un Dîner de Con. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est en fait des personnes qui invitent un con pour animer leur soirée. Et celui-là, bah, vous faites le con de la soirée. Il est sympathique, j'ai trouvé sympathique. Mon quatrième jeu, Call of Apiste Modern Apoir. Le jeu où vous contrôlez, où les Allemands sont les duellistes. Il est super marrant ce jeu quand même. J'ai bien aimé les blagues. Mon quatrième jeu, c'est Sarkozy Opération Nettoyage. Comme le dit la jaquette, il nous avait bien promis un coup de Karcher, non? Comme ils l'avaient pas fait, donc ils en ont fait un jeu vidéo où le coup de Karcher, bah, vous choisissez la victime. Soit les gens de la cité, soit les apistes, soit les hippies, soit les métalleux, ou soit les no-life. Après, la victime, c'est vous qui choisissez. Car, comme on dit dans un jeu, c'est vous le maître du jeu. Mon sixième jeu, c'est Call of Duty, il faut sauver le soldat Luigi. J'ai vu ce crossover parce que j'ai entendu parler sur internet que Nintendo arrivait plus à faire de gros bénéfices pour leurs actionnaires. Donc ils ont fait appel à Activision pour récupérer de l'argent, ils en ont fait un jeu vidéo. C'est une honte ce jeu. C'est une honte! Ensuite, le prochain jeu, c'est Bleu. Un jeu où tout est bleu. Ils vont bientôt faire une DLC, la DLC elle va s'appeler Bleu Turquoise. Si ça continue, ils vont faire toutes les sortes de bleus en DLC. Arnaque en vue. Ah, ce jeu, je l'ai trouvé super difficile, j'ai toujours pas terminé, c'est Mirror DSK, Still Alive. La tête de ce personnage sur la jaquette est en fait le seul ennemi du jeu, où il est super chiant, collant. C'est un gros dragueur pervers, complètement naze. Je connais une personne qui a réussi à le terminer. C'est une, si je ne me trompe pas, c'est une femme de ménage d'hôtel. Franchement, chapeau à elle de l'avoir terminé. Ensuite, les créateurs de Alien vs Predator en avaient marre de la violence de jeux vidéo. Donc ils en ont fait un jeu d'échecs. Bah, à part être fan de Gasparov, ce jeu est une merde. Ensuite, String Attack. Ouh, cette boîte, je l'ai pas mal défoncée. On va savoir pourquoi. Après, c'est Justin Bieber, Ferme ta bouche. Enfin un jeu où on peut fermer la gueule de ce chanteur de mes deux. J'ai bien aimé le côté marrant de ce jeu. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Bah que les ennemis du jeu, bah, c'est les fans criards. Attention, je vous conseille les boules de caisse ou de pas du tout mettre du son pour mettre le jeu parce que ça crispe les oreilles, ça te vomit de l'extérieur des oreilles. Ensuite, Call of Blondas, un jeu où vous pouvez découvrir l'amour et les femmes tout en jouant à votre jeu préféré, Call of. Attention, je sais que Call of c'est plus de 18 ans, donc les parents, réfléchissez à deux fois avant d'offrir ce jeu à votre bamba qui vous dit « Ah, je suis fan de Call of !» Merde. Ensuite, le prochain jeu, je l'ai trouvé marrant, mais la souricière pour Xbox 360. Mais le souci, c'est que c'est une honte. Il est ultra rapide et en plus, la fin, elle est nulle. Et elle fait peur. Le prochain jeu, c'est Halo Lamentation. C'est un peu un Sims, crossover Sims et Halo. Ouais, c'est un peu la retraite de Spartan. Le pauvre, je sais pas comment il va faire pour boire son café en vue de la jaquette. Et enfin, mon dernier jeu imaginaire, c'est Comment devenir un con. Je sais pas pourquoi, moi je l'ai adoré ce jeu, je suis grand fan de ce jeu, c'est mon jeu imaginaire préféré justement. Et j'espère que ça se voit pas trop.